Non, ce n'est pas un rêve qui se poursuit sans trêve, même en période de grève. Martin Luther King. Non, ce n'est pas une vision brève d'un monde qui crève sans que nul ne se lève. Martin Luther King. Ce n'est pas quelqu'un qui paraît, qui disparaît sans que rien ne se fait. Martin Luther King. Ce n'est pas un tableau de palais qui respire la paix dans un monde parfait. Martin Luther King. Ce n'est pas le héros d'un livre qui se bat comme un homme ivre, pris dans des malheurs qui se suivent. Martin Luther King, c'est la référence. C'est la référence pour des sociétés en souffrance, marquées par la violence. Martin Luther King, c'est la voix de la conscience. La voix de la conscience qui éclaire notre intelligence pour davantage de science. Martin Luther King. Ce n'est pas quelques citations ramassées dans une édition pour faire tomber en admiration. Martin Luther King. Ce n'est pas quelques émissions de télé juste pour nous rappeler que ce juste s'en est allé. Martin Luther King. Ce n'est pas quelques articles de journaux ou des images aux infos qui donnent froid dans le dos. Martin Luther King, c'est la vision. C'est la vision pour tous ceux qui ont reçu la mission d'éclairer le chemin des enfants de la nation. Martin Luther King, c'est la passion. C'est la passion qui conduit de l'abnégation à la crucifixion, de la crucifixion à la restauration. Martin Luther King, c'est la rédemption. C'est la rédemption qui mène à la transformation de sa génération et de la transformation à l'élévation.